Mais qu'est-ce que ceci? Un VTT qui n'a plus servi depuis juin. Allez, on a trouvé la motivation, on est à la montagne. On va aller essayer de faire un petit tour, voir jusqu'où on arrive et si on a assez de rush pour vous faire une vidéo. Et je vous ai pas dit, salut les amis! Allez, ça part de là! Bon. On a commencé à pédaler un petit peu, ça montait légèrement sur un autre drone. Je suis déjà à 170 pulsations. J'arrive même plus à parler, respirer. Et le plus dur arrive. Donc on va voir. J'ai peut-être attaqué un peu trop gros pour une reprise à la montagne. On verra bien. De toute façon, on a le temps, on n'est pas pressé. Et s'il faut pousser, ben on poussera. Ah, et comme tu peux le voir, ça monte sévère. Si j'arrive au bout pour une reprise sur le vélo, je serai super content. Allez, je vous dis ça, arrivé en haut. J'ai du mal à respirer. Tout doucement, mais sûrement la première partie s'est pliée. Maintenant reste la deuxième qui va nous monter jusqu'au col de Moissière avant de bifurquer sur l'autre côté. On verra bien. C'est dur hein, pour l'instant. C'est très très dur. Allez, c'est la dernière ligne droite. Là, ça va finir par la route pour arriver jusqu'au sommet du col de Moissière. Ben, si on enlève le petit kilomètre de route, on a fait 2 km pour à peu près 200 mètres de dénivelé positif. Vous allez voir les points de vue qu'on va avoir de ce côté là. Là ça va rouloter un petit peu, descendre un petit peu, remonter, enfin faire que ça. On va le prendre cool. En tout cas, je suis content de vous retrouver en vidéo les amis. C'est dur pour moi. Je savais même pas si j'allais reprendre, mais c'est grâce à vous, le fait de ne pas vous laisser comme ça, quoi, finir comme ça. Merci les gars, merci beaucoup. Allez, col de Moissière, ça c'est fait. J'étais obligé de le décoller de mon vélo, j'ai essayé d'oublier à la maison les autres. La seule chose un petit peu dommage ici, c'est que la vue, elle est vraiment dégueulasse. C'est vraiment moche. Tu pédales parce qu'il faut pédaler, quoi, mais vraiment pas pour le panorama, quoi. Oh là là, c'est un calvaire de rouler là-dedans. Calvaire, calvaire, calvaire. Allez, comme je vous l'ai dit, tu vois, on pédale encore un petit peu. Là, on fait le tour, en fait, de Moissière. Et on replongera du côté de Ancel, de l'autre côté. Là on se retrouve côté Gap, côté Serponçon, je ne sais pas si vous arrivez à voir le lac là-bas au loin. Voilà, donc petite régalade quoi pour une première sortie à la montagne. Allez, ça descendouille un peu, c'est tranquille. C'est là que même pour tenir le guidon, tu vois que t'as perdu quoi. Ah mais les sensations, c'est bon. Ah, ça manquait quand même. Ah, ça fait du bien de reprendre un peu les amis. Ça fait du bien. Par contre, va falloir remuscler tout ça parce que même le guidon là, j'ai du mal à le tenir et pourtant il n'y a rien. Même les jambes, oh là là, ça fait mal. Allez, c'est fini pour cette première descente. Maintenant, on va alterner des petites montées, descentes, tranquillement. Allez, ça pédale encore.
comme vous pouvez le voir, gap en contre bas, il y a pas mal de vent. Je sais pas si vous allez m'entendre parler, je crie un peu plus fort. Sympa par là, non? Il y a des trucs sympas autour d'Ancel, hein. En vélo à faire. Et en plus, ça c'est des parcours franchement qui sont accessibles à tout le monde tranquillement. Et on s'en met plein les yeux au passage. Allez, ça redescendouille un petit peu. Et après, on va faire une petite ascension, un petit peu de route et une petite ascension pour monter jusqu'à l'antenne. Allez, ça part de là. Allez, nous on va là-bas à l'antenne. Là c'est plein de petits champs, c'est bien sympathique. Je suis plein de vent, c'est terrible. Je suis pas gâté pour cette reprise. Aïe aïe aïe. Mais c'est bien. C'est bien de reprendre. Allez, on arrive en haut de l'antenne. Avec une magnifique vue encore sur Ancel et la vallée. Nous, on va aller en face là-bas pour le moment. Allez, c'est parti. Mais avant de remonter de l'autre côté, place à un petit peu de descente quand même, hein. On l'a bien mérité, hein. Descente avec les copines. On va doucement, hein. Si des fois elle me passe la barrière, là, je suis mal moi dessous, hein. Vous êtes de l'autre côté de l'écran, mais moi je me fais tuer par une vache. Ah, et deuxième partie de la descente. Ils avaient des bonnes bouilles, hein. Ils avaient l'air gentils. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu moins de caillasse que les autres années. Ou alors c'est après, je sais plus. Ouais. C'était après. Oh, elle est bien sympa, ça. Elle est courte, mais sympatoche. Allez, ça remonte cache derrière. Paf. Dans tes dents, après pour pédale 100 mètres jusqu'à la route et ça va monter par la route bien comme il faut jusqu'au plateau de l'autre côté. Allez, on se
On se retrouve là-bas. Allez, on se prépare les amis. On va arriver juste au-dessus de Ancel. Je vous montre ça de suite. Oh, regardez-moi ça. C'est pas beau? Il y a pire comme lieu de vacances, non? Et maintenant, ça va descendre un tout petit peu. Bon, il n'y a rien de bien méchant techniquement sur cette balade, mais ça fait du bien. Ça redonne un petit peu les sensations en descente, en montée, ça fait travailler aussi parce qu'il faut, il y a du niveau à récupérer là. Là on part de très très loin. Bon ben voilà, normalement le parcours officiel il est pratiquement fini. On coupe par là à travers champs où c'est qu'il y a les maisons pour remonter à l'église. Mais comme j'ai encore un tout petit peu de jus, on va allonger et on va aller se faire une dernière petite montée. Et c'est pas pour la descente qu'il y a derrière parce que c'est du même genre que ce qu'il y a ici, mais c'est histoire d'allonger un petit peu. Là on est à 18 bornes, 457 mètres de dénivelé, histoire d'arriver à 500 mètres de dénivelé, et ça devrait faire 25 km pour une reprise et une première sortie. Ça sera déjà pas mal à mon avis. Il y aura des séquelles demain. Moi qui rabats le troupeau. Ouf. C'est ça en selle aussi, tu vois. C'est pas beau, elle est pas belle la vie. C'est fait de peu et d'un tour, hein, de rien. Bon, on est dans la dernière montée de la sortie. Une fois certaine celle-là terminée, on peut considérer que la sortie est finie. Ça va être de la descente et du faux plat descendant jusqu'à l'arrivée. Mais comme tu vois, pour finir, elle te fait montée de cardio celle-là. Mais il n'y a pas le choix, faut travailler, et ça passe par des montées comme ça. Allez, c'est bon, ça monte encore un peu derrière, mais plus cool. Mais celle-là est faite. Allez, c'est fini pour cette montée. Tout fait sur le vélo à la sortie. Je suis super fier de moi. Ah. Allez, là ça descend un petit peu et puis après ça sera du faux plat descendant. C'est plus cool pour moi, hein. Moins fatigant.
va se faire les 25 km pour finalement 600 mètres de dénivelé à peu près, 592 arrondi hein, à la virgule supérieure. Ben content de moi, fier de moi là. Franchement, pour une reprise, je pensais pas que ça se passe comme ça. Je pensais un petit peu plus en chier. Je dis pas que je suis pas fatigué, je suis out là, j'ai le dos qui tire de partout, mais ça fait du bien. À mon avis, demain au réveil, ça sera pas la même chanson, mais ça c'est fait. Puis ça fait du bien de me retrouver en vidéo, et j'espère que vous serez heureux de voir celle-là. En tout cas, dites-moi le en commentaire si vous êtes content que je revienne avec vous. Allez, je vous fais des bisous à tous et à la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.